Ça, c'est la salle d'informatique du Collège Immaculée Conception. Alors, vous venez maintenant visiter l'intérieur de la salle avec environ une trentaine, 32 ordinateurs. Là, on repartit en deux et rangs. Et voilà. Et puis c'est une salle qui est climatisée, il y a deux climatiseurs, c'est l'une, mais c'est encore l'autre, c'est là-bas. Puis il y a notre informaticien qui est juste à côté de Pierre Duchland, le directeur du collège. Voilà. Alors, comme Pierre Duchland me l'a dit il y a quelques minutes, donc on cherche à augmenter le nombre d'ordinateurs et même et réfigurer et reconfigurer la salle. C'est un début. Donc vous autres qui allez regarder ça sur le site de l'OACSU ou sur l'Internet, vous pouvez toujours faire des contributions si vous travaillez quelque part, à une école, à une université aux États-Unis, là où l'on change tous les 5 ans ou tous les 2 ans, tous les 3 ans les ordinateurs. Vous pouvez toujours parler de l'organisation des anciens du Collège Immaculé ou de l'association des anciens du Collège Immaculé. Vous pouvez toujours nous référer à ces universités afin qu'on puisse bénéficier de ces ordinateurs et puis les envoyer au collège parce que les CICN, ils en ont besoin. Ils vont pouvoir utiliser à bon escient et puis profiter pour augmenter leurs connaissances en informatique.